3 heures du matin. Amy n'est pas rentrée du club. Ni Ron, ni Nancy. Rose a emmené Rachel à l'hôpital. Après tous ces événements, la pension paraît soudain si calme, si éloignée du monde. Cette chambre a quelque chose d'étrange. On dirait que quelqu'un est mort ici ce soir. J'étais si content de sortir. Sortir avec Amy. Écouter de la musique. Voir des gens danser. Il y a à peine 2 semaines que je l'ai rencontrée. Je ne peux pas imaginer la pension sans elle. Il faut que je parte. Je ne peux plus vivre comme un égaré quand le monde lutte pour sa survie même. Trop de choses m'attendent, je suis venu pour combattre. Amy, un jour je t'expliquerai. Tu comprendras. Il faut aller chercher mon uniforme. Adam m'a volé la maison de mes cousins, mais j'ai gardé la clé. Έφυγη σκληρή σαν η αγκαλιά και στο μονοπάτι δεν ξανά θε πια. Je suis obligé de me séparer de ce journal, Amy. Si tu ne veux pas le garder, tu peux le confier à une seule personne. Ce jeune grec qui occupe le grenier. Il y trouvera, lui, une lecture intéressante, j'en suis persuadé. Je pars ce soir à Ankara. Cette mission me rappelle celle de Rudolf Hess qui s'est parachuté en Écosse il y a 1 an pour négocier une paix séparée avec Churchill. Aujourd'hui, ce sont les alliés qui cherchent à négocier. Mais y a-t-il aujourd'hui un seul Allemand qui ose parler de paix au moment où Rommel est prêt à s'emparer de l'Égypte? Le Duce lui-même vient d'arriver en Libye pour se faire photographier devant les pyramides. Il faut que les Allemands sachent qu'une grande armée se prépare à défendre le canal de Suez, que des renforts viennent d'arriver, une division australienne et une division néo-zélandaise toute fraîche, les 30 000 Polonais du général Anders ont déjà quitté la Palestine, et 2 brigades grecques attendent leur tour, si le sergent Winter le souhaite, bien sûr. Et qui est ce sergent, ex-détective de Londres à l'accent canadien, qui ramasse des renseignements sur toutes les femmes qui passent par Jérusalem? Monsieur Kaloyanos. Je pars. Pour toujours? Sans doute. Mais nous sommes jeudi et vous avez payé jusqu'à dimanche. Je vous fais cadeau de la différence. Comme ça, sans se donner la main, sans dire merci.
Bonne nuit, Farouane. So herzlos. Nicht mal mit einer Putzfrau würdest du. Jerusalems Nacht hat ihn verschlungen. Wenn er mich nur lieben würde. Sogar schlagen dürfte mich. Nicht oft, einmal. Ich würde es ihm verzeihen. Kiramu. Madam. Hallo, Frau Anna. Daughters of Jerusalem, I beseech you, in the name of the buck and the roe of the field, do not arouse my love from her slumber. Do not wake her before her hour of waking. Hush, Carmen Sanzis, a fart! What are you doing there? This is my room. With your permission, Frau Anna. Tonight we are sleeping in a beautiful bed made for love. You're both drunk! Out of there, go back to your room. Why don't you call your pension Capri or Amalfi or Taormina? Not so loud, Ron. You may wake Rachel. Oh, it's really touching how much you two worry about Rachel. And where is Frau Bobritzberg? Oh, we gave her the night off. What does that mean? Oh, why don't you go?
Good night, Fallon. Wer weiß, Anna. Hitler in Jerusalem, warum nicht? Die Goyim werden es schon schaffen und die Muselmänner verlangen ja nach ihm. Und du, allein, im gleichen Ghetto mit der Jaska, Rosa, das Ende und die Schande. Du hast verspielt. Versagt im Leben wie mit einer Tomatensuppe. Ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Kalojanos. Ein herzloser, undankbarer Fremdling. Da pramata tis, Frau Emmis. Afto ein apo ti Frau Emmi. Si elle reçoit des lettres, vous les donnerez à Rosa, d'accord? Je veux bien les donner, mais j'ai payé l'agence en pensant qu'il allait rester plus d'un mois. Et voilà qu'au bout de même pas deux semaines, elle nous quitte. Combien vous doivent-ils? Combien me doivent-ils? Vous permettez. Au revoir, madame. Yes.
Sie sollen zum Teufel gehen, die Rapesco und die Hochstapler. I am departing for Cairo, Frau Anna. No, not you too. Don't go. I must follow my luggage. You have been most kind to me, Frau Anna. Danke schön. What is it, Frau Anna? Be calm, my dear. All will be well. Frau Anna. Auf Wiedersehen. To show how much you care, tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come the love that's new. For you, Billy Mann. For you, Billy. Elle m'a envoyé une livre avec Rosa. Ils sont tous partis. Ils partent loin de la guerre. Et vous? Pourquoi restez-vous? This is strange. You didn't register this man. I didn't have time, your lordship. He left so quick. Et où est-il allé, Frau Anna, savez-vous? Qu'est-ce que je peux vous dire? Le petit escalier a craqué, le temps de mettre ma robe de chambre, et il est sorti tenant un baluchon avec son linge. Que faites-vous, monsieur Kaloyanos? Je pars, me dit-il. Pour toujours? Probablement, me dit-il. Je n'ai pas eu le temps de lui demander où il allait. Mais on peut l'apprendre facilement. Il a un parent, un vieux grec qui était jadis interprète. Ah, him. He already left town. He lives in Haifa now. Ah, vous êtes au courant. Alors, on peut demander à Frau Bobretzberg. Elle doit savoir. C'est encore une conquête de notre Casanova? Vous savez tout, mais vous ne savez pas bien. Je n'ai rien remarqué de tel. Elle est très comme il faut. Oh, really? Where did she go? Je n'en sais rien. Mais on peut le savoir par l'Américain, un certain Benny. We have intercepted a message from Rommel to Berlin complaining that he's lacking in tanks and ammunition. And what if the message were intentionally misleading? Vous vous souvenez de la gaffe de Churchill en septembre 39, quand il a annoncé la capture du commandant d'un sous-marin allemand? Eh bien, moi, au même moment, j'étais en train d'interviewer le même commandant à Berlin. Well, you were wrong to contradict him. You were only a simple correspondent, whereas Mr. Churchill, as a statesman, a British statesman, has the right to use any and all information as he wishes. Based on your information, dear Winter, Churchill now refuses to send our 1st Brigade to the front. Tobruk est tombé. Rommel avance en direction de Marche à Matruh. Le Minus parle de trahison. Il voit derrière chaque événement un complot politique. Hitler va se jeter sur l'Union soviétique. Cela dit, moi aussi, je ne comprends pas pourquoi les Anglais refusent de se servir de nos deux brigades à un moment aussi difficile pour la défense de l'Égypte. Le Minus met dans le même sac Churchill et Hitler. Il tient des propos qui sont aujourd'hui dénoncés par les émissions de Moscou. Tu vas encore rentrer en Grèce? Comment tu vas faire? Nous tenons des réunions tous les jours. Nous avons tous commis la faute de ne pas rentrer en Grèce. Toi plus encore que moi, car tu venais de là-bas. Personne ne devait partir. C'est là-bas qu'il fallait résister.
Nous aurons à en répondre devant le peuple et nous serons punis si nous survivons. En attendant, est-ce qu'on va se croiser les bras ou se battre? Et il n'arrête pas de parler pour cacher sa confusion. Tu verras, la guerre dans le désert prendra fin. Et Churchill, entre-temps, va se préparer. Oui, alors, qu'est-ce que c'est? C'est un proverbe arabe. Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors, tais-toi. Mano, tu es incorrigible. Churchill croit qu'il peut être le substitut de l'Angleterre. Moi, j'ai interrogé De Gaulle quand il est passé secrètement par la Palestine. Il m'a dit qu'il avait pour principe de ne jamais effectuer de manœuvres politiques qui, demain, pourraient être effectuées par la France. Bien que, comme il le dit lui-même, il incarne la France, il n'en est pas le substitut. De quelle manœuvre parlez-vous? Oubliez-vous que le mouvement communiste dans l'armée grecque est trotskiste? Que me chantez-vous là? Trotsky est mort en août 40. Οι Έλληνες στρατιώτες θέλουν να πολεμήσουν στο El Alamein. Ναι, για να αποκτήσουν πολεμικές δάφνες και ύστερα να μας επιβάλλουν πολιτικές λύσεις. Si le front cède, nous ne nous livrerons pas aux Allemands. Nous allons réquisitionner tous les moyens de transport possibles, de l'essence, des vivres, des armes et des munitions, et via Damas, Homs, Der, nous atteindrons l'Euphrate, nous le franchirons et nous arriverons à Bagdad. Et de là, nous entrerons en Perse, Hamadan, Rest, Pahlavi, puis droit sur Bakou, en Union soviétique. L'Anabaz. Oui, l'Anabaz. Oui, l'Anabaz. Gloire de l'Antiquité. Le retour aux sources. Du jour où on a mis la main sur une dizaine de mitraillettes, une sorte de verve lyrique nous a possédés. Il m'avait trouvé une nouvelle planque, chez Nina, une camarade italienne. Aujourd'hui, on doit amener deux sacs au monastère grec de Saint-Saba pour les cacher. Je ne savais pas que son havresac à lui était caché sous le lit. Dans le mien, j'ai réussi à tasser les archives de l'organisation. Il faut les mettre en lieu sûr. Lui, il marchande avec le chauffeur de taxi pour qu'il nous emmène au monastère. Je l'attendais avec Karelas, au café arabe d'Abdoul. Son havresac était plus lourd que le mien. Quand je lui ai demandé ce qu'il transportait, il m'a dit « Occupe-toi de tes oignons ». Allez, viens. Viens là-bas. L'homophiliste zoophilo. Parle en français dans le taxi, m'a dit Vénus, car les Arabes d'ici comprennent le grec. Je me réjouissais beaucoup de cette excursion inattendue. Après une heure de trajet, il allait enfin comprendre ce que c'était qu'un voyage de 3 mois à travers des déserts interminables pour arriver jusqu'en Perse. Je pense qu'il est très risqué, ton plan pour la Perse. Il n'est pas réalisable. Il n'est pas réalisable, tu crois, hein? Quand je pense que tu as fait l'Albanie. Mais ne t'en fais pas, peut-être qu'il ne sera pas appliqué. En tout cas, pour qu'ils expédient la division néo-zélandaise sur le front, ça veut dire qu'ils pensent vraiment arrêter la progression de Rommel. Quant à Tobruk, il me semble que c'est la faute de ces Sud-Africains, s'il est tombé. Ces descendants de Boers, ce sont tous des germanophiles, des fascistes.
Mais toi, encore hier, tu nous parlais de trahison. Que c'est exprès, disais-tu, que les Anglais ont quitté Tobruk. Afin de faciliter leurs négociations avec les Allemands. C'est bien ce que tu m'as dit. Ah, c'est comme ça que travaillent les états-majors. D'un côté, ils négocient, et de l'autre, ils font la guerre. Et le moment venu, ils font ce qui les arrange. Ils tirent les ficelles là où ils en ont besoin. En un sens, ils font ce que tu fais. Le matin, tu nous ouvres l'Atlas et tu nous fais marcher contre les Perses comme de nouveaux Alexandres. Et le soir, tu nous dis que nous allons rester ici pour nous battre contre les Allemands, même si on doit pour ça passer à la clandestinité. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Doucement. Tu veux nous expédier en enfer ou quoi? Il y a 40 bâtons de dynamite sous nos pieds. Est-ce que tu es devenu fou? Nous circulons dans Jérusalem avec un sac de dynamite. Et toi, tu ne me dis rien? La cigaro. Ipa la cigaro, catalaves? Bravo, tu as réussi à l'alerter. Et pourquoi le pistolet? T'inquiète pas, c'est ce que je fais. Il a dû nous prendre pour ces aristocrates qui interdisent à leurs chauffeurs de fumer. L'Autrichienne qui t'a tourné la tête ne t'a pas appris ces choses-là? Comme tu vois, je ne rêvais qu'à mes amours. Je vois que j'étais constamment surveillé. C'est pour ça que tu m'as mis dans l'appartement de Nina. Dis donc, toi. Tu n'as pas peur que je lui tourne la tête à elle aussi? Essaie, tu verras. Eh oui, Nina est membre du parti. Elle est de la famille. Elle n'a pas de secret pour lui. Il savait qu'il pouvait compter sur moi. Jusqu'à la preuve du contraire. Marsaba. You come back tomorrow morning, 8 o'clock. Alors, vous allez rester? Ça va, ça va. Et moi aussi, chrétien. Le salaud, il comprend le français. La blague est toujours le gars. Voici le moticot, il t'a vraiment su taper un miachal. Et vous, vas-y, vous faites ce cataguino. Είσαστε βασιλεύς ή στρατιώτης. Που έστεινε τον προσκέραν φαντασία. Je vois que tu connais les écritures.
Μου θυμίζει κάτι σαν τη Σαντορίνη και λίγο την Ικαριά. Je vais voir Théophile. Les bancs, les fenêtres sont peints en bleu, comme les balcons du monastère de Saint-Denis au mont Athos. Seulement là, à la place du précipice, se trouve l'immensité de la mer Égée. En face, la grotte de Saint-Jean à Damaskinos. De ses écrits, ils avaient tiré le mot de passe. Roi ou soldat, où est donc la persévérance de ce monde? Où est donc l'imagination des êtres mortels? Derrière la montagne, le Jourdain à gauche, à droite, la mer morte. C'est là que se jette le peu d'eau qui sort de ces collines désertiques. Από τη Σικιά. Θα μάζεψε ο Θεόφιλος, είναι από το χωριό μου, ξέρεις. Παντελή τον λέγανε. Το κρίμα του γνωστό, κούφια η ώρα. Πήγε και εγκάστρωσε την αδερφή του. Αυτή έπαιζε σε ένα λάκκο από ασβέστη και χάθηκε. Χάθηκε και ο Παντελής. Un aïeul en moi souffre et hurle. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas oublier. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas pardonner. Tu ne pourras jamais oublier. Pourquoi avais-je décidé cette nuit-là de remettre mon uniforme? Pourquoi avais-tu décidé cette nuit-là de remettre ton uniforme? Quel démon m'a poussé à épier les amours d'Adam? La voir comme je ne l'avais jamais vue, comme je ne la reverrai jamais plus. Belle, parfaite, les yeux qui brillaient, les cheveux qui flottaient sur ce lit énorme. Nos regards se sont croisés. Elle a fait semblant de ne pas me voir, de ne pas me reconnaître. Adam. Où est-ce qu'il a trouvé ce nom? Adam qui est le premier homme, notre père à tous. Adam sera pour moi l'horrible image qui fera que je ne pourrai plus jamais aimer Amy. Comment sommes-nous mariés à la mort? Personne ne sait plus où se mettre. Dans quelle direction partir?
Υπάρχει κάτι πιο δυνατό. Από τα πάθη. Από το φιλότιμο. Η ιδεολογία. Η ιδεολογία του Θεόφιλου, ποια είναι? Ξέρει για τους δυναμίτες? Η ελληνική ορθοδοξία. Αυτή είναι η ιδεολογία του Θεόφιλου. Ναι, ξέρει για τους δυναμίτες. Orthodoxie grecque. Une idéologie. Pourquoi pas? Sinon, comment cette foi aurait-elle résisté à travers tant de siècles? À travers tant de martyrs et de persécutions, si elle ne s'appuyait pas sur des hommes aux âmes fortes? Comment peut-on exister dans un désert spirituel? Un homme sans idéologie ne mérite pas la liberté. Elle est là depuis quelques jours. Je ne t'ai rien dit pour ne pas te faire de la peine. Mais il faut apprendre ce que son mari fabrique à Ankara. L'Américain est parti au Caire. Elle habite seule là-bas. Si tu veux, tu peux la trouver dans la villa. 2-10 heures du soir, jusqu'à l'aube. J'ai crié malgré moi. Il est infatigable. Tout mon corps me fait mal. L'anéantissement total, ce n'est pas une légende. On y parvient quand on se libère de la pudeur. Il suffit de bien savoir utiliser son corps. Τι λόγια είναι αυτά? Πήρε το μου κάνετε σήμερα. Ω! Pourquoi cet homme s'appelle-t-il Adam? Le péché originel. Vous comprenez, Frau Rosa? Ici, au pied du Golgotha. Adam, είπατε. Oui, il est grec aussi, comme vous, né ici. Συφορά μου, κακό που μας βρήκε. Vous me frappez, moi? De quel droit, Frau Rosa? Σκύλα. Είσαι μια σκύλα. Je vous interdis. Κόρη μου, μια στιγμή με κουνιέσαι. Θα αναφέρω λίγο ξύδι. Hans. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. L'Asie. Tu avais raison, Hans. Mais pourquoi tel silence tout d'un coup? Manos. Mes hommes, Manos, m'ont laissé tomber. Si tu m'as pris pour une gamine romantique qui vit de poésie, rêveuse comme Nancy, tu te trompes, Manos.
Tu m'as vu rougir facilement. Si tu crois que je rougis de honte, Manos, tu te trompes. Ετοίμασα τα πράγματα. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Vous pouvez partir, Frau Hliaska. Personne ne vous retient. Πάμε. Η καμαρά σας στην πανσιόν ακόμα δεν νοικιάστηκε. Je n'en vois pas la raison. Je me trouve très bien ici. Τότε θα κουβαλήσω κι εγώ εδώ. Εδώ θα κοιμάμαι. Και ας βρωμήσει, πεθερά μου, αρκετά έζησε. Je n'ai pas besoin de vous. Je ne vous ai jamais invité. Θα τα πω του κυρίου Μπένι. Όλα. Écoutez, Frau Rosa, je n'ai pas besoin de tuteur. Si vous ne partez pas tout de suite, c'est moi qui partirai. Je vais aller habiter avec lui pour me délivrer de vous tous. Στο σπιτάκι του. Άμυαλη. Θα σε κάτσει στο καλύτερο ξενοδοχείο. Και εκεί θα σου στέλνει τους πελάτες. Je vous interdis. Απαγόρευε όσο θες. Είναι ρουφιάνος. Απ' τη Χάιφα ως τη Γάζα όλοι το ξέρουν. Même cela ne m'effraie pas. Peut-être qu'il le faut. Connaître le pire avilissement et sauver ainsi son âme. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Écoutez, Frau Rosa. Vous ne connaissez que les interdictions inhumaines de Moïse. Vous ne comprenez pas. Notre religion. Comment dire? Autrefois, j'étais seulement chair, esclave de mes instincts. Et maintenant, je suis libre. Libre de marcher vers le péché parce que je le veux. Quand l'heure viendra, moi seul désirerai mon salut. Bye. Την ξεμιάνησε αυτός ο κακούργος. Συγχωρήστε με, Φράου Έμι, παραφέρθηκα. Σας χτύπησα σαν να ήσασταν κόρη μου. Ξέχασα ότι είσαστε η κυρά μου. Ό,τι μου πείτε θα κάνω. Θέλετε να φύγω? Soldat. Connais-tu le mot de passe pour entrer dans mes rêves? Où est-il donc le labeur de ce monde? Où est-il le mirage des choses éphémères? Ces collines bibliques autour de Jérusalem ne ressemblent à aucun désert. Le soleil les déshabille et les regarde. Elles sont accueillantes, sensuelles et vivantes, comme les baigneuses de Renoir. Les nuages avec des coups de pinceau subtils pose des taches d'ombre, tantôt sur une hanche, tantôt sur une épaule. Là où se sont endormis tant de tribus et de races, à travers les siècles, sans y laisser de traces humides. Les amours s'évanouissent à l'approche du temps. L'organisation antifasciste dans l'armée grecque du Moyen-Orient attire l'attention du haut commandement allié et du gouvernement britannique sur les graves conséquences que peuvent avoir pour la résistance en Grèce. La dernière déclaration. Thank you.
Σέα. Μάρ Σάβα. You come back tomorrow morning, 8 o'clock. Alors, vous allez rester? Ça va, ça va. Et moi aussi, chrétien. Le salaud, il comprend le français. La blague est toujours le gars. Voici le moticot, il t'a vraiment juste pas même miachal. Et vous, vas-y, c'est ce qu'il y a de guillemets. Είσαστε βασιλεύς ή στρατιώτης. Που έστεινε τον προσκέραν φαντασία. Je vois que tu connais les écritures. Θυμίζει κάτι σαν τη Σαντορίνη και λίγο την Ικαριά. Je vais voir Théophile. Les bancs, les fenêtres sont peints en bleu, comme les balcons du monastère de Saint-Denis au Mont Athos. Seulement là, à la place du précipice, se trouve l'immensité de la mer Égée. En face, la grotte de Saint-Jean à Damaskinos. De ses écrits, ils avaient tiré le mot de passe. Roi ou soldat, où est donc la persévérance de ce monde? Où est donc l'imagination des êtres mortels? Derrière la montagne, le Jourdain à gauche, à droite, la mer morte. C'est là que se jette le peu d'eau qui sort de ces collines désertiques. Σήκα από τη σηκιά.
Μάζεψε ο Θεόφιλος, είναι από το χωριό μου, ξέρεις. Παντελή τον λέγανε. Το κρίμα του γνωστό, κούφια η ώρα. Πήγε και εγκάστρωσε την αδερφή του. Αυτή έπεσε σε ένα λάκκο από ασβέστη και χάθηκε. Χάθηκε και ο Παντελής. Un aïeul en moi souffre et hurle. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas oublier. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas pardonner. Tu ne pourras jamais oublier. Pourquoi avais-je décidé cette nuit-là de remettre mon uniforme? Pourquoi avais-tu décidé cette nuit-là de remettre ton uniforme? Quel démon m'a poussé à épier les amours d'Adam? La voir comme je ne l'avais jamais vue. Comme je ne la reverrai jamais plus. Belle, parfaite. Les yeux qui brillaient. Les cheveux qui flottaient sur ce lit énorme. Nos regards se sont croisés. Elle a fait semblant de ne pas me voir, de ne pas me reconnaître. Adam. Où est-ce qu'il a trouvé ce nom? Adam, qui est le premier homme, notre père à tous. Adam sera pour moi l'horrible image qui fera que je ne pourrai plus jamais aimer Amy. Comment sommes-nous mariés à la mort? Personne ne sait plus où se mettre. Dans quelle direction partir? Υπάρχει κάτι πιο δυνατό από τα πάθη, από το φιλότιμο. Η ιδεολογία. Η ιδεολογία του Θεόφιλου, ποια είναι? Ξέρει για τους δυναμίτες. Η ελληνική ορθοδοξία. Αυτή είναι η ιδεολογία του Θεόφιλου. Ναι, ξέρει για τους δυναμίτες. Ορθοδοξία γκρέκ. Une idéologie. Pourquoi pas? Sinon, comment cette foi aurait-elle résisté à travers tant de siècles? À travers tant de martyrs et de persécutions, si elle ne s'appuyait pas sur des hommes aux âmes fortes? Comment peut-on exister dans un désert spirituel? Un homme sans idéologie ne mérite pas la liberté. Elle est là depuis quelques jours. Je ne t'ai rien dit pour ne pas te faire de la peine. Mais il faut apprendre ce que son mari fabrique à Ankara. L'Américain est parti au Caire. Elle habite seule là-bas. Si tu veux, tu peux la trouver dans la villa. 2-10 heures du soir, jusqu'à l'aube. J'ai crié malgré moi. Il est infatigable. Tout mon corps me fait mal. L'anéantissement total, ce n'est pas une légende. On y parvient quand on se libère de la pudeur. Il suffit de bien savoir utiliser son corps. Τι λόγια είναι αυτά? Πήρε το μου κάνετε σήμερα. Oh! Pourquoi cet homme s'appelle-t-il Adam?
Le péché originel. Vous comprenez, Frau Rosa? Ici, au pied du Golgotha. Adam, mi pate. Oui, il est grec aussi, comme vous, né ici. Si foram, kako pou mas vrike. Vous me frappez, moi? De quel droit, Frau Rosa? Skila. Il se met skila. Je vous interdis. Κόρη μου, μια στιγμή με κουνιέσαι. Θα αναφέρω λίγο ξύδι. Hans. Hans. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. L'Asie. Tu avais raison, Hans. Mais pourquoi tel silence tout d'un coup? Manos. Mes hommes, Manos, m'ont laissé tomber. Si tu m'as pris pour une gamine romantique qui vit de poésie, rêveuse comme Nancy, tu te trompes, Manos. Tu m'as vu rougir facilement. Si tu crois que je rougis de honte, Manos, tu te trompes. Ετοίμασα τα πράγματα. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Vous pouvez partir, Frau Hliaska. Personne ne vous retient. Πάμε. Η καμαρά σας στην πανσιόν ακόμα δεν νοικιάστηκε. Je n'en vois pas la raison. Je me trouve très bien ici. Τότε θα κουβαλήσω κι εγώ εδώ. Εδώ θα κοιμάμαι. Και ας βρωμήσει, πεθερά μου, αρκετά έζησε. Je n'ai pas besoin de vous. Je ne vous ai jamais invité. Θα τα πω του κυρίου Μπένι. Όλα. Écoutez, Frère Rosa, je n'ai pas besoin de tuteur. Si vous ne partez pas tout de suite, c'est moi qui partirai. Je vais aller habiter avec lui, pour me délivrer de vous tous. Στο σπιτάκι του. Άμυαλη. Θα σε κάτσει στο καλύτερο ξενοδοχείο. Και εκεί θα σου στέλνει τους πελάτες. Je vous interdis. Απαγόρευος ο Θεός, είναι ρουφιάνος. Απ' τη Χάιφα ως τη Γάζα όλοι το ξέρουν. Même cela ne m'effraie pas. Peut-être qu'il le faut. Connaître le pire avilissement et sauver ainsi son âme. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Écoutez, Frau Rosa. Vous ne connaissez que les interdictions inhumaines de Moïse. Vous ne comprenez pas. Notre religion. Comment dire? Autrefois, j'étais seulement chair, esclave de mes instincts. Et maintenant, je suis libre. Libre de marcher vers le péché parce que je le veux. Quand l'heure viendra, moi seul désirerai mon salut. Bye. Την ξεμιάνησε αυτός ο κακούργος. Συγχωρήστε με, Φράου Έμι, παραφέρθηκα. Σας χτύπησα σαν να ήσασταν κόρη μου. Ξέχασα ότι είσαστε η κυρά μου. Ό,τι μου πείτε θα κάνω. Θέλετε να φύγω?
Aime et aime. Roi ou soldat. Connais-tu le mot de passe pour entrer dans mes rêves? Où est-il donc le labeur de ce monde? Où est-il le mirage des choses éphémères? Ces collines bibliques autour de Jérusalem ne ressemblent à aucun désert. Le soleil les déshabille et les regarde. Elles sont accueillantes, sensuelles et vivantes, comme les baigneuses de Renoir. Les nuages, avec des coups de pinceau subtils, posent des taches d'ombre, tantôt sur une hanche, tantôt sur une épaule. Là où se sont endormis tant de tribus et de races, à travers les siècles, sans y laisser de traces humides. Les amours s'évanouissent à l'approche du temps. L'organisation antifasciste dans l'armée grecque du Moyen-Orient attire l'attention du haut commandement allié et du gouvernement britannique sur les graves conséquences que peuvent avoir pour la résistance en Grèce.